Premier site, Ollières, au nord de Saint-Maximin. L'église Sainte-Anne est fondée sur une chapelle du 8e siècle. Elle a été très restaurée au cours des siècles. Elle est caractéristique de l'art roman des 12e et 13e siècles, mais possède toutefois un admirable portail carolingien classé, daté d'environ 770. L'arc est sculpté d'une triple rangée de décorations aux motifs géométriques, zigzag en bas, pointe de diamant en haut, sans doute une influence byzantine. Les colonnes qui le soutiennent sont elles aussi ornées, celle de droite de feuilles, celle de gauche de têtes de personnages. L'appareil intérieur a été dissimulé sous un enduit, mais on remarque les arcs doubleaux très déformés sous le poids de la voûte et les arcs de décharge. Esparron de Palières est un village au nord de Saint-Maximin. Il a été fondé autour du Xe siècle. Il est dominé par un château du XVIIIe, construit sur une forteresse du XIIe siècle. La chapelle Notre-Dame du Revest se trouve un peu à l'écart du village. Elle a été consacrée par l'évêque d'Aix en 1033. À l'époque, elle faisait partie d'un monastère bénédictin détruit. C'est une chapelle romane dont on remarque les puissants contreforts. Sur le mur sud, la pierre supérieure de l'encadrement de l'oculus présente un cadran solaire, à moins que ce ne soit une pierre énigmatique dont on verra un autre exemple à Figanière. Sur la façade, on remarque de superbes pierres à bossage. La chapelle est de dimension modeste, 26 mètres de long pour une largeur de 5,50 m et une hauteur de 7,50 m. Elle est de style roman. On reconnaît les arcs doubleaux qui reposent sur des piliers et on aperçoit la corniche qui a permis de réaliser la voûte ainsi que les arcs de décharge sur les côtés. La voûte de l'abside est dite en cul de four. À l'entrée du chœur, la pierre tombale de François d'Arcusia, décédé en 1505, qui était le seigneur d'Esparron. Saint-Julien-le-Montagnier se trouve au nord de Saint-Maximin. C'est un superbe village médiéval fortifié, bâti sur un promontoire isolé qui domine les plateaux du Haut-Var. Voici quelques vues du mur d'enceinte et des 12e et 13e siècles. La porte d'enceinte, dite portail de Gourdane ou portail des Templiers, datée du XIIe siècle. On voit qu'elle n'est pas fermée du côté intérieur. L'aire du bout du monde, où l'on battait le blé, le seigneur surveillait et prélevait son quota au passage. On peut y voir deux vieux moulins et la chapelle de l'Annonciade. L'église romane de la Sainte Trinité. Le chevet du XIe siècle est encadré par une absidiole de chaque côté. On peut noter encore une fois la qualité de l'appareillage. Au chevet, une plaque de chancel ou cancel, clôture sculptée entre le chœur et la nef. Ces chancels ont disparu assez tôt, cela permet d'affirmer qu'il y avait une église à l'époque carolingienne. Les contreforts sont massifs. La façade est sobre. La nef est haute et étroite, on voit bien les arcs doubleaux et une poutre de gloire, très rare en Provence. De cette poutre, on suspendait des voiles qui cachaient le cœur aux fidèles. On remarque l'importance des piliers qui servent à supporter la voûte. Enfin, cerise sur le gâteau, du haut de la table d'orientation, on a une vue superbe à 360 degrés, ici en direction du mont Pelvoux.
Ginaservi se trouve au nord de Saint-Maximin. À Ginaservi, on trouve les ruines d'un important château fort qui appartenait à l'ordre des chevaliers hospitaliers d'Aix-en-Provence, qui seront les seigneurs du lieu jusqu'en 1792. Dans le cimetière actuel, on peut admirer la chapelle romane de l'Annonciation ou des Pénitents. Cette chapelle du XIIIe siècle se distingue par son clocher, un clocher mur à deux arcades. La construction de ce clocher est admirable. Les pierres sont tellement bien taillées qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de mortier pour les maintenir. Les lits de pierre sont parfaitement horizontaux. Les angles sont faits de pierres plus importantes. Cet ensemble, qui n'a sans doute pas été restauré, a donc défié les siècles. La façade de la chapelle se distingue par un oculus, un larmier et au-dessus de la porte un blason représentant un lion à cornes de cerf, sans doute les armes de frère Dragonnet de Mondragon, un des prieurs de l'ordre des Hospitaliers qui vécut au début du XIVe siècle. Bru-Auriac se trouve au nord-est de Saint-Maximin. L'église Notre-Dame, construite au XIIe siècle, a été une possession de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Les ruines des bâtiments accolés correspondent à un prieuré du XVIe siècle. La façade est tout à fait remarquable, avec un larmier, un cordon à mi-façade, un oculus et un clocher à deux arcatures. Le claveau au-dessus de la porte représente un Christ en marbre, à la fois bénissant avec les deux doigts et invoquant Dieu avec la main ouverte, une rareté. L'oculus décoré de rayons est d'une facture exceptionnelle. L'ensemble de ce décor de façade est caractéristique des ateliers œuvrant en Provence au début du XIIIe siècle. La chapelle a un chevet plat décoré d'arcades. On remarque aussi l'importance des piliers extérieurs. Intérieurement, la chapelle semble étroite. Le chœur est désaxé par rapport à la nef. Les arcs doubleaux reposent sur des consoles et non sur des piliers. Le chœur, dont l'élévation est nervurée, se termine par une abside en cul-de-four nervurée également. Pour contrebuter la poussée de la voûte, on a doublé les murs intérieurement. Enfin, on possède la plaque de dédicace de l'église. On peut y lire l'année XXX et dédicacer cette église à la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, le jour même de la Sainte Foi, Vierge et Martyre, c'est-à-dire le 6 octobre. Malheureusement, la date n'est pas lisible.